Bon. Je vais appeler Monsieur Chalroumi. Je vais obtenir son numéro. Allô? Allô? Oui, bonjour. Je pourrais m'adresser au traître de maître de maison, s'il vous plaît. Et c'est lui qui vous a dit qu'il était le maître? Et pourquoi c'est pas le cas? Non, il n'est pas là pour le moment. Il est où? Je parais qu'il est allé voir Ciotti. Non, il est au chiottis. Pardon? Bah, c'est l'écriteau qu'il a mis sur la porte des WC pour signifier que c'est son domaine à lui, quoi. C'est ses chiottis. Là où il est le seul à faire caca, pipi. Mais il en a pour longtemps? Ça dépend. De quoi? Des couleuvres qu'on lui fait avaler? Attendez, là, vous savez à quoi vous vous adressez là? Je suis Madame Chalroumi. Ah, pardon. Non, c'est-à-dire que on a longtemps cru que monsieur était une dame. Et c'est vrai que moi-même, je ne pouvais pas m'imaginer qu'il avait une dame. Eh bien, ce sont les langues de vipère comme la vôtre qui lui donnent la diarrhée. En tout cas, ça veut peut-être dire qu'il n'est plus du tout constipé. Ça, c'est une bonne nouvelle, madame. Non, malheureusement, les élections ne cessent de le retourner. Ah, oh, le pauvre. Vous pensez qu'il en a encore pour longtemps, là? C'est-à-dire qu'il a une peur bleue, quoi. Je veux dire, une peur bleue, blanc, rouge. Ah bon? Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il craint, en fait? Il a peur de quoi? De faire face au RN? Attendez, il a fait mettre 5 verrous sur sa porte. Il a pris la décision radicale de ne plus jamais montrer ses fesses, sa face. Et bien là, il passe son temps à tirer la chasse. C'est dingue parce que, en fait, lui, il est plus français que jamais. Justement, Le Pen, elle en croira pas un traître mot. Ouais, il a peur qu'on le jette à l'eau. Bah ouais, il sait pas nager. Dans ce cas, il prendra le train. Le train? Où ça? Bah, sur la gueule. Pardon, madame, pardon. Dès qu'il s'en sort, faites-moi signe.